Oui, moi je vais vous parler du jeu vidéo gris. Et on va terminer avec Anthony. Bah on termine, on commence avec moi. Je comprends plus là. On va terminer. Ah oui, non, pardon. Putain, j'ai recommencé avec les problèmes. On va la refaire, je pense. Bah non, on va la garder comme ça, elle est très bien. Parce que là, on est en direct, Cédric, je ne peux pas revenir en arrière. C'est pas grave, encore une fois, je me suis emmêlé dans mes notes. Donc on va commencer avec Anthony. On va parler d'un élément qui constitue les scénarios des films. Voilà, au milieu, ce sera bien Mathieu, et on terminera avec le cousin de Cédric. Voilà. Parfait. Très bien. Ouais, tout le monde voilà. Et aujourd'hui, ah bah tiens, une bonne surprise. Tiens, cette semaine, on va s'écouter bah, le thème de Mandalorian. Non. Cette fois-ci, mais en non. Version 80s Retrowave. Mais c'est pas vrai. Si. Il a fait ça. Eh bah oui. À tout de suite. J'en trouve là. Composé à la base par Ludwig Göransson et cette fois-ci en version 80s Retro Synthwave. Merci J'adore beaucoup. J'adore cette version. Anthony. Mon Dieu. C'est ma préférée. Sur tout l'album. Et vivons la prochaine. Hein. Non, mais ce que j'aime bien, c'est pas que maintenant, à chaque semaine où ça passe, tu me regardes, tu fais Mandalorian comme si tu m'appelais, tu vois. C'est bien la série réalisée par Robert Rodriguez. D'accord. Robert Anthony Rodriguez. Oui, notez bien. Allez, je t'en prie. Salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle chronique. Une fois encore, je vous emmène dans le monde merveilleux du jargon geek et de la pop culture pour que vous puissiez atteindre 100% de taux de compréhension lorsqu'Henri décide d'expliquer quelque chose. Et allez hop, c'est parti, on enchaîne direct, fin de la récré. La dernière fois, nous avions parlé de ce qu'était un retcon, en précisant bien qu'il ne fallait pas le confondre avec... Retcon. Ah, vous n'avez pas suivi, heureusement. Si. Le retcon ne doit pas être confondu, entre autres, avec une incohérence d'intrigue ou plot hole, dont je ferai un jour un épisode aussi en anglais, car le retcon est toujours volontaire, alors que le plot hole, non. Voilà, donc j'ai tellement le boulard que je me cite moi-même. Le nouveau mot du jour, c'est donc le mot plot hole. Ah, est-ce que quelqu'un a ici déjà entendu parler de ce terme? Ça oui, parle plus ou moins. Ça, ouais. Mais j'ai pas le contexte en fait. Bah si, en fait, le plot hole, ça veut dire que t'as des scénarios, t'as des trous béants qui sont dedans parce que les mecs, ils ont fait, j'imagine, des grosses ellipses toutes pourries ou des trucs d'incohérence. Exactement. Donc on va quand même apporter une petite. Je me suis rattrapé sur la semaine dernière. On va apporter une petite définition. On va mettre une musique d'accompagnement. Donc, dans la fiction, un plot hole est une lacune ou une incohérence dans un scénario qui va à contre-courant de la logique établie par l'intrigue de l'histoire. Les plot holes sont généralement créés involontairement, souvent à la suite d'un montage où les auteurs oublient simplement qu'un nouvel élément contredirait les événements précédents et ne le vérifient pas. Cependant, le terme est également fréquemment appliqué de manière incorrecte. Par exemple, un personnage écrit intentionnellement pour prendre des décisions irrationnelles ne serait pas un plot hole, pas plus que des fins libres ou fins ouvertes.
ou des aspects inexpliqués d'une histoire. Voilà. Alors, je vais vous dire, voilà. J'adore les plot holes. Pourquoi ? Eh bien parce que ce n'est pas quelque chose d'absolu, c'est-à-dire qu'on peut toujours essayer de justifier plus ou moins un plot hole, et personnellement, ça me fait marrer, parce que ça entraîne toujours des débats infinis et en général très drôles. Donc, dans la multitude d'œuvres remplies d'incohérences, j'aurais pu choisir Retour vers le futur et ses incohérences de voyage dans le temps, Astérix et l'illogisme de la recette de la potion magique, et bien évidemment Star Wars et ses séries dérivées, que je ne citerai pas ici, qui sont une mine d'incohérences incroyables, mais parmi tous ces univers, j'en ai un préféré. Vous l'aurez reconnu, je veux bien évidemment parler ici d'Harry Potter, ou Henri Potier en français, Harry Potter qui est une source inépuisable d'incohérences, donc de plot hole, car quand vous pensez en avoir fait le tour, eh bien il en surgit encore et encore. Donc est-ce que vous avez des exemples de plot hole dans Harry Potter ? Moi j'en ai un, tu m'en avais déjà parlé. Vas-y, dis. C'est le principe de Harry et ses lunettes pétées ou un délire comme ça, ou le fait qu'il ne voit pas en fait, enfin qu'il ait besoin de ses lunettes jusqu'au bout, et pourquoi dans ce cas-là ils lui font pas un sort pour lui permettre de mieux voir alors qu'il le garde du début à la fin ses lunettes, alors qu'ils ont des trucs, tu sais, genre pour se remettre les os en place, ce genre de choses, mais exactement. Là ils pensent pas à ça. Voilà. C'est celui dont tu m'avais parlé. Est-ce que vous en avez d'autres en tête? Moi je pense que ça regorge. S'ils peuvent lui enlever son strabisme, ils peuvent lui enlever sa cicatrice aussi. Il y a des bons nip-tucks à Poudlard. Sauf que sa cicatrice, elle a un lien avec Voldemort. Je pense que sa cicatrice est magique. Donc là on peut pas l'enlever. Ils peuvent amener à Voldemort. C'est vrai. Moi j'ai l'habitude du ta gueule c'est magique, donc tu sais, dans Harry Potter je n'achète même pas qui du coup des fois n'est pas utilisé dans Harry Potter alors qu'il pourrait le faire quoi. Donc là j'avais mis réponse très créative et originelle de la part de toute l'équipe, même si évidemment tout le monde attend que j'envoie un jingle rigolo, ce qui va ne pas tarder à arriver. Alors moi j'en ai quelques favoris, notamment celui-ci. Oculus Reparo. C'est mieux comme ça, non? Alors non, ce n'est pas mieux, mais à votre avis, pourquoi ? Bah parce que du coup, c'est exactement ce que je t'ai dit juste avant, ils auraient pu s'en servir pour autre chose, genre ses ailes. Oui et non. Alors quand vous aurez sûrement reconnu cette séquence quand Hermione répare les lunettes de Harry dans le train pour aller à Poudlard. Sauf que l'on apprend un peu plus tard, pas dans ce film, mais dans le suivant, qu'il est interdit de faire de la magie en dehors de l'école. Voilà. Ah oui, exact. Alors évidemment, mais est-ce que le train n'est pas déjà considéré, puisque en fait il passe sur la voie 3 quarts et machin ? Non, pas du tout. Okay. Donc évidemment, on pourrait en citer plein d'autres, les escaliers mouvants qui sont la meilleure excuse pour arriver en retard à un cours, les sorciers qui ont des lunettes alors qu'on peut y faire repousser un bras en une nuit, comme tu l'as mentionné, les enfants sorciers qui ne vont pas à l'école avant le niveau de 6e, voilà. Mmh. Avant ça, ils zonent, je sais pas. Et juste le Quidditch, juste le concept du Quidditch, c'est un plot hole complet. Mais évidemment, j'en ai un qui est mon favori, et je voulais vous laisser cette séquence et on va en parler juste après. Bienvenue à Poudlard. Bien, dans quelques instants, vous franchirez ces portes et vous vous joindrez aux autres. Mais avant que vous preniez place, vous allez être répartis dans les différentes maisons. Elles ont pour nom Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Et Serpentard. Donc vous avez compris un peu le délire. Vous remarquerez qu'à aucun moment on ne nous explique pourquoi ces quatre maisons, à quoi ça sert, est-ce qu'il y a un intérêt pédagogique? Non, on ne sait pas. Ah si, ça met une ambiance de merde entre les élèves, ça c'est sûr. Après, on peut imaginer, si jamais t'es en mode suspension d'incrédulité, on peut imaginer que comme chacun vienne de familles qui sont déjà des familles de sorciers pour certains, mis à part les Sandbourg, comme ils disent dans le film, on peut imaginer qu'ils savent déjà en fait à quoi correspondent les familles. Mmh. Bah oui. Mais c'est la suite qui devient intéressante, écoutez. Quand j'appellerai votre nom, vous vous avancerez. Je placerai alors le choix-pot sur votre tête et vous serez répartis dans vos maisons. Hermione Granger. Oh non. Très bien, on se détend. Une malade, cette fille, moi je te le dis. Ah, je vois. Oui, d'accord. Gryffondor. Drago Malfoy.
Serpentard. Tous les sorciers et les sorcières qui ont mal tourné étaient à Serpentard. Voilà, au-delà d'être une expérience anxiogène, vous avez bien entendu, tous les sorciers qui ont mal tourné étaient à Serpentard. Pas quelques-uns, mais bien tous. Pour illustrer mon propos et ne pas faire de périphrase, j'ai retrouvé un extrait d'une émission qui explique très bien cette incohérence des maisons à Poudlard. C'est une émission animée par un youtubeur qui est devenu assez connu désormais. Ça a été diffusé sur jeuxvideo.com en 2011, ça date un peu, mais c'est toujours autant pertinent. Je vous laisse écouter. Serpentard, tous les mecs qui sont sortis de Serpentard sont des mecs qui ont le regard fuyant, qui ont un gros penchant pour la magie démoniaque et qui généralement sont les derniers des connards. Il n'y a pas d'exception. J'ai envie de dire, le gars, c'est une école du crime. T'aurais pu appeler ça Chicago, école de méchants. Le pire, c'est qu'ils m'entraînent. Ah, en plus, ouais. T'y crois, ils m'entraînent, ils me nourrissent, ils me logent, ils m'entraînent. Merci, aux frais de la société. J'ai envie de dire merci. Et en plus, je me permets d'être anglais. Je me permets d'avoir un accent anglais, d'être un gros méchant et de faire des films. Vous l'aurez donc compris que cet élément fondamental qui est présent dans le monde d'Harry Potter n'est jamais justifié, en tout cas pas dans les films. Parce qu'après, il y a toujours des gens qui vont dire « Oui, mais dans les livres, oui, mais on n'est pas censé avoir lu la Bible pour comprendre la passion du Christ. » Ok. Hello there. J'avais oublié que j'avais mis ça. Hello there. Transition. Quand, comme vous vous en doutez, il existe plusieurs types de plot holes, comme il existait plusieurs types de retcon, mais que je ne vais pas présenter ici car ça prendrait trop de temps, il y en a 6, 7, 8 différents. Donc je vous laisse aller faire vos propres recherches, mais on peut citer les plus connus. Celui qu'on a vu avec le Oculus Reparo, là, c'est le plot hole narratif, tout simplement. Celui de Serpentard, c'est un plot hole de logique. Et il y a aussi le plot hole, vous connaissez peut-être, le Deus Ex Machina, ou le plot hole MacGuffin, par exemple. Ouais. Mais le temps file. Et MacGuffin c'est MacGuffin, en fait, c'est un truc qui a été inventé par Hitchcock, si je me souviens bien, qui est qu'en fait, la première motivation de recherche des personnages principaux n'est qu'une motivation de départ, mais en fait, ne sera pas l'aboutissement réel des personnages principaux. C'est à peu près ça. Hein. Mm-hmm. Tout à fait. Okay. Merci. En fait, tu penses que ça va partir sur une histoire de chasse au trésor, mais en fait, le trésor, le truc après lequel il court, n'est pas du tout le véritable intérêt. C'est un objet justificatif. C'est genre la mallette dans Pulp Fiction. Mm. Ok. Je comprends. Merci. C'est bon. Pourtant, j'ai expliqué ça comme une merde. Hein. Exactement comme Anthony l'a dit au début de l'émission. Mais le temps file et c'est déjà l'heure de l'interro. Donc, pour savoir si vous avez bien compris, on va finir par une petite interro. Donc à chaque fois, je vais vous énoncer une situation et vous devrez me dire s'il s'agit, oui ou non, d'un plot hole. Donc, première question. Une araignée mutante pique un jeune garçon. Bien qu'improbable, il se retrouve avec des pouvoirs comme s'accrocher au mur ou ressentir le danger de loin. Réponse. Moi, je dis oui. Non. Moi, je dirais oui. Alors la réponse, ce n'est pas un plot hole, c'est juste une suspension consentie d'incrédulité, comme d'autres exemples que je vais vous donner après. Deuxième question. Dans les années 50, deux policiers viennent enquêter sur une île qui sert d'asile. À la fin, on ne sait pas si le protagoniste est devenu fou ou bien s'il est devenu un prisonnier. Réponse. Oui, pour moi, c'est pas un plot. Non, je dirais pas non plus. Non si, puisque si. Toi, tu dis oui. Non, moi, je dirais non, parce qu'en fait, c'est plus un truc, un effet scénaristique pour te laisser à la fin sur toi une réflexion. C'est pas un truc qui rajoute en mode. En effet, ce n'est pas un plot hole, c'est une fin ouverte. Donc tu as raison sans avoir raison. Oui, les fins ouvertes ne sont pas des plot holes. Le film est un film avec Leonardo DiCaprio. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas. Bon, je reste vague sur les films pour ne pas spoiler. Pour ne pas dire. Après deux longues années de marche pour jeter une bague au fin fond d'un volcan en éruption, des aigles géants viennent récupérer nos deux héros pour les ramener en une journée à leur point de départ. Plot hole ou pas? Plot hole. Parce que dans ce cas-là, ils auraient pu les utiliser dès le départ. Oui, je sais pas, oui. Plot hole, voilà, plot hole. Bah oui, puisque sinon, vous n'avez pas besoin d'aller à pied, quoi. Eh bien, vous avez raison, c'était un plot hole et un plot hole d'un genre particulier, puisque j'en ai parlé justement, il s'agit d'un Deus Ex Machina. Oui. Donc, il y a un caractère qui vient résoudre une situation voilà, d'un seul coup. Un peu Superman, quoi. Mmh. Donc voilà. Dernière question, soyez attentifs.
Elle va être violente, ça. Superman dans Justice League, c'est un plot hole. Parce qu'il arrive à la fin, il nique tout le film. Ouais, bah en fait, Superman, c'est même un. C'est devenu un problème. C'est un plot hole. C'est super plot. Après un rachat par une multinationale du divertissement, une entreprise spécialisée dans la production de films et de séries décide de confier l'un de ses projets à un réalisateur tout à fait médiocre. Plot hole ou pas ? Ah mais largement, largement. Non, c'est pas un plot hole. Ah ouais. Eh ben non, pas de plot hole, juste une erreur de casting, tout simplement. Tout à fait. Et pour finir là-dessus, je vous propose tous ensemble un dernier petit remix que j'ai trouvé. On Christmas Eve night, we and our guests gather in the great hall for a night of well-mannered frivolity. Et donc maintenant, vous connaissez ma chronique. Et donc, comme chaque fin de chronique, on va démarrer une incantation tout à fait connue. Je donne le c'est Robert Rodriguez. C'est Robert Rodriguez. Et voilà, c'est tout pour nous. Vous étiez sur l'Imaginarium. Je vais laisser la parole à mes camarades Mathieu et Cédric. Merci d'avoir participé. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Oui. T'as vraiment de la chance que je ne quitte pas ce studio sur le champ. Je vais pas m'arrêter. Oh putain de merde. Je remarque surtout qu'ils tentent des trucs vraiment dégueulasses au niveau des remix. C'est assez terrifiant. Que ma collègue de travail, non seulement elle est redcon, mais en plus c'est une plot hole. Ok, on va s'arrêter sur cette belle parole. Merci beaucoup, Anthony.